le directeur de l'hôpital de Bingerville confie, tout ce qui se dit sur la mort de Daisy Champion n'est que spéculation, seule l'autopsie peut donner les circonstances et les causes de son décès. Docteur Descapolin, le directeur de l'hôpital général de Bingerville dont l'établissement sanitaire a été accusé dans les premières heures de la mort de Daisy Champion de non-assistance est sorti de son silence et a expliqué dans les moindres détails les circonstances dans lesquelles le Zoubloumane Pasteur est arrivé dans son centre cette nuit du vendredi 30 mars. Indexé et même accusé par certains dans les premières heures de la mort de Daisy Champion d'avoir refusé d'offrir un plateau technique nécessaire pour la prise en charge médicale du chanteur doublé d'Homme de Dieu, Docteur Descapolin, directeur de l'hôpital général de Bingerville par ailleurs lauréat du prix du meilleur médecin de Côte d'Ivoire en 2014 est revenu dans un entretien vidéo réalisé par Abidjan.net sur cette nuit noire. Merci de me donner cette opportunité de parler au monde entier, c'est vraiment avec beaucoup de peine, a-t-il traduit d'entrée aux médias qui lui donnaient ainsi l'occasion de s'exprimer sur les accusations portées à l'encontre de son hôpital. À l'en croire, les accusations portées contre son établissement hospitalier sont fausses puisque le chanteur était même déjà mort avant d'arriver dans son centre. Daisy, le champion est arrivé dans mon hôpital déjà décédé, c'est une certitude. Et son décès a été de prime abord constaté par un infirmier et tout de suite il a dit aux parents d'amener le corps à la morgue. Mais avant cela quand ils sont arrivés dans la voiture, le garçon de salle est allé jeter un coup d'œil dans la voiture sachant que quelque chose n'était pas clair et il a couru aller appeler l'agent de santé quand Daisy a été retirée de la voiture et on l'a installée dans le fauteuil roulant puis roulée juste dans le hall des urgences. C'est là que le constat a été fait par l'infirmier, a situé Docteur Descapolin. Relatant dans les moindres détails ce qui s'est passé cette nuit du vendredi 30 au samedi 31 mars, le directeur de l'hôpital de Bingerville a battu en brèche cette idée que Daisy Champion est mort à 2h47 ce samedi 31 mars. Un infirmier est habilité à faire un constat de décès. Il a fait le constat et il a informé ceux qui l'accompagnaient qu'il est décédé et il leur a demandé de l'accompagner à la morgue. C'est ainsi que ceux qui l'accompagnaient ont décidé d'appeler la police pour constater cela. C'est vers 1h du matin que la police est arrivée et comme le constat a été fait vers minuit 38 par un infirmier, la commissaire m'a appelé vers 2h du matin pour me dire qu'il faut qu'un médecin fasse le constat, a-t-il dévoilé. Pour lui, il n'y a aucun problème de prise en charge médicale, l'artiste étant déjà mort avant d'arriver dans l'hôpital. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu un problème de prise en charge du champion. Un professeur d'université serait de garde ce jour-là, Daisy serait déjà mort et ne pouvait rien faire sauf constater à son tour le décès, s'est-il justifié. Aussi, a-t-il précisé, qu'aucun billet d'évacuation encore moins de proposition d'évacuation n'a été émis en ce sens puisqu'il était déjà parti et là. Après donc que le médecin de garde, docteur Ekissi soit venu dans l'hôpital vers 2h30 pour le constat de décès sur proposition de la commissaire de police, l'équipe de garde qui était là a pris le soin de préserver l'intimité du champion et l'ont mis dans le lit numéro 05 puis l'ont couvert d'un drap blanc. C'est pourquoi est-il remonté contre ceux qui ont diffusé sur les réseaux sociaux le corps sans vie de Daisy Champion. Je n'étais pas d'accord du fait que les gens aient balancé la photo du champion sur Internet. Je suis un gars de poids et je suis encore plus meurtri. Le champion connaît chez moi à la maison et ça a été la pire des choses que j'ai vues sur Internet et j'ai même demandé à mes enfants de quitter sur Internet, s'est-il indigné. Pour le praticien, tout ce qui se dit actuellement sur les causes de la mort de Daisy Champion n'est que pure spéculation. Malheureusement, avoue-t-il, son établissement n'est pas à même d'avoir les éléments nécessaires pour situer l'opinion publique sur les causes réelles de la mort du chanteur. Toutefois, préconise-t-il, une autopsie. Pour connaître la cause réelle de son décès, il faut faire une autopsie parce que nous n'avons pas pratiqué un quelconque examen médical pour savoir la cause.
Tout ce qui se dit sur sa mort n'est que spéculation, seule l'autopsie peut donner les circonstances et les causes réelles du décès, a-t-il recommandé. Adressant ses condoléances à la famille de Daisy Champion, Dr Deka Paulin a dit être très abattu par ce deuil car très proche de Daisy Champion. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à toute la famille et aux enfants. Daisy Champion était un proche parce qu'il était marié à la nièce d'un de mes amis dont le grand frère était le témoin de mariage de mon père. S'il était encore en vie dans notre hôpital, nous aurions tout fait pour le réanimer, a-t-il tranché. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre l'actualité sur le décès de Daisy.